Donc, hein? J'ai compris beaucoup de choses depuis que Capto. Et je vais revenir sur Capto après. Mm-hmm. Juppé. Alain Juppé, grand ami de Paul Biya. Alain Juppé. Mm-hmm. Il n'a pas dit sur Biya. Il a dit sur Barbeau. Toujours maintenant. Mm-hmm. Quand on a bombardé le palais de Barbeau, mm-hmm. on l'a arrêté. On a fait signer le papier pour reconnaître que Ouattara a gagné les élections. J'ai compris en ce moment-là que c'est exactement la pression qu'on met sur Capto pour reconnaître que... Pour qu'il signe que Biya a gagné ça. Oui. D'où, avant de venir là, j'ai demandé à mon fils là, est-ce que vous avez un moyen de transmettre un message à Capto? Il s'est porté garant pour mourir pour le peuple camerounais. Capto s'est porté garant? Non, oui. Pour mourir pour le peuple camerounais? Mais, bien sûr, mais laissons Capto, ça va venir après. Capto était un homme intelligent. C'est là où j'ai dit la France a gagné une bataille parce que les Camerounais ne savent pas lire quand les gens parlent. D'accord.